marcher. Je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer tout là-haut. Tu coloreras ma vie comme tu en as. Vidéo, ma nouvelle routine. Je vais essayer de vous expliquer un peu le principe et après je vais vous montrer de quoi je veux parler. Concrètement, c'est ça. En premier, je ne suis pas maquillée, donc mon teint n'est pas fait, mais c'est volontaire puisque vous allez voir pourquoi. Je n'ai que trois choses sur moi. C'est le butter d'insecte sur les cils. En sourcil, c'est le Marlboro parce que sinon on les voit pas. Et en rouge à lèvres, c'est le Strike de Urban Decay. Les premiers qui étaient sortis, je ne sais pas s'ils ont reformulé ou pas, mais... Donc, nouvelle idée de vidéo, très franchement, c'est venu parce que ce matin, je me suis rappelé que je n'avais pas fait de vidéo pour demain. Et le gros souci, c'est que j'avais pas envie de me maquiller du tout parce qu'il fait lourd. Bon là, je me suis mis sous la clim parce que sinon je tiens pas. Il fait lourd, il fait chaud, enfin voilà, on va pas se plaindre parce que le soleil est là. Et je me suis dit, ça serait pas bête de leur montrer ta nouvelle routine puisque enfin, t'as pu démarrer une routine matin et soir en même temps. De la même marque, surtout. Ça fait un moment que je voulais absolument entamer ma routine Clarins puisque j'avais de quoi faire le matin et le soir. Enfin, avec quelques produits, il y a des produits qui ne sont pas forcément, qui sont manquants, mais la base, voilà, de Clarins, enfin, j'ai les produits Clarins de base. Et je voulais absolument commencer le matin et le soir en même temps. Chose qui est hyper rare, c'est que je finisse ma routine du matin et du soir en même temps. Et là, samedi, c'est ce qui s'est passé, j'ai fini les deux en même temps. Donc ça fait beaucoup de en même temps. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, tu vas sortir ta routine Clarins pour la démarrer. Et là, en me préparant ce matin, je me suis dit, mais c'est vrai que ça serait pas bête de... Parce qu'on ne voit pas toujours nous, sur nous, comment ça marche. Il y a des choses qui ne nous sont pas flagrantes, alors que les gens ils te disent, ouais, t'as super bonne mine en ce moment et tout. Ouais, bah, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression, je sais pas. Voilà, les gens se rendent compte parfois de choses que nous, on ne se rend pas compte. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa que, bah, justement, qu'on puisse échanger sur les routines comme ça. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu le fais dès le début. C'est volontaire. C'est pour vous dire, vous montrer les produits que je vais utiliser. Et quand les deux produits principaux se termineront, je reviendrai vous voir. Et je vais vous dire, moi, mon ressenti. Et puis, en commentaire, bah, vous mettrez si vous voyez vraiment un changement, si vous n'en voyez pas, si vous voyez pas d'intérêt. Ou... Enfin, voilà. Donc, j'espère que l'idée de la vidéo vous plaira. Vous plaît. Je vais vous présenter après les produits que je vais donc utiliser. Et je vais quand même vous montrer les produits qui sont complémentaires, enfin, qui sont en complément, parce que j'ai pas l'équivalence dans la marque. Et je tiens juste à vous dire qu'après, je peux démarrer trois autres routines comme ça. Alors, il ne faut pas que ça soit des full size. Hein. Là, c'est des doses voyage. Il faut que ça soit ou des échantillons ou des doses voyage. Parce que je trouve que c'est plus simple et plus rapidement fini. Donc, j'ai trois autres routines que je peux démarrer par la suite, enfin après. C'est Caudalie, Kiehl's ou Clinique. En sachant que Clinique, j'ai déjà testé des produits. Là, ce n'est pas du tout les mêmes produits d'ailleurs. Enfin, à une ou deux exceptions, mais... c'est des produits que je connais pas. Donc, si vous avez une préférence sur la routine suivante, dites-le moi parce que comme ça, dès que ça se finit, le temps que je fasse la nouvelle vidéo, je peux entamer les produits. Donc, vous avez en choix donc, ou Kiehl's ou Clinique ou Caudalie. En choix suivant. Voilà. Donc, dites-moi vos préférences et celle qui, la marque qui reviendra le plus, mais c'est celle que je prendrai juste à la suite. Donc allez, on va démarrer parce que sinon ça fait beaucoup de blabla et je veux essayer de faire une vidéo qui est relativement courte pour une fois. Alors le matin, quoi qu'il arrive, alors parfois je me débarbouille un peu avec de l'eau micellaire, mais j'ai pris des produits essentiels. Hein, voilà. Voilà, c'est une eau micellaire pasta. Donc après l'eau micellaire, parce que ça me tiraille si je laisse l'eau micellaire, je me passe une lotion quoi qu'il arrive. Là je me passais un spray sans part. Que je peux utiliser aussi en journée, donc ça me dérange pas de le mettre en pause pour après me le vaporiser moi sur la journée, enfin sur le visage de la journée. Donc j'ai mis à la place l'eau de confort nettoyante qui sent la pêche et qui me plaît plutôt bien celle-là. Pourtant ça fait que deux fois que j'utilise, trois fois. J'appasse sur les yeux et tout, hein, j'appasse partout et
J'aime bien et j'aime surtout son odeur. Elle est très douce et tout. Donc, voilà. Donc, j'aime bien. Ensuite, je fais souvent les yeux en premier. Donc, j'ai mis le sérum Super Lift multi-régénérant contour des yeux. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment des petites doses à part la lotion qui est un peu plus importante. Mais sinon, c'est des petites doses. Enfin, petites, vous allez voir. Enfin, c'est une dose voyage, quoi. Ça, par contre, c'est de la roche-posée puisque j'avais pas l'équivalence en carence. C'est l'hydraphase, voilà, qui est presque fini. Donc, en combo, ça peut être pas mal puisque du coup, j'en mets un peu moins. Et puis, c'est un gel. Donc, je sais pas, ça me... Je me dis qu'un sérum avec le gel, ça va. Avec une crème, voilà. C'est peut-être que dans ma tête, hein, mais... par contre, je n'avais pas de sérum de jour. Donc, je continue d'utiliser le biodermique de collagène sérum que j'ai eu à Noz. Qui sent le mal. Voilà, il sent bon, mais il sent le mal. Voilà. Ça, on reviendra peut-être dessus. Hein, on est là pour Clarence, mais on reviendra peut-être dessus. Mais... pour le moment, perdez pas vos sous là-dedans. Pour le moment. Après, je peux avoir des belles surprises. Il y en a, il faut attendre. J'espère que ça sera son cas. Comme crème de jour, j'utilise le multi... Enfin, ouais, oui, j'utilise, puisque ça y est, j'ai entamé. Le multi-active crème lissante. Voilà. Donc, celle-là, j'ai un petit complément, parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup dedans, mais beaucoup moins que la crème de nuit. Donc, j'ai une petite dose comme ça, en plus, si jamais elle se termine plus vite que l'autre. Et c'est donc ce produit-là et la crème de nuit, que dès que c'est fini, je reviens vers vous et je stoppe tout le reste pour entamer une nouvelle routine. Je ne vais pas les gaspiller, vous inquiétez pas, je les finirai à un moment donné. Forcément. On va passer au soir. Donc le soir, je vais utiliser ce que je n'ai pas encore utilisé, étant donné qu'hier soir, je me suis démaquillée sous la douche. Donc du coup, je me nettoie tout le visage aussi sous la douche. C'est le doux nettoyant gommant express à la sève d'orange. Alors je crains un peu parce qu'il y a marqué gommant, mais apparemment, c'est hyper doux. Donc j'attends de voir. On va voir, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On verra bien. Oui, expression à 10 balles d'il y a 100 ans. de Clarence, toujours le... Enfin, de toute façon, c'est forcément une routine Clarence, enfin, quasi entière Clarence. C'est l'eau nettoyante express que je refais le soir aussi. Enfin, voilà. Si, hier soir, je suis sortie de la douche, j'avais utilisé autre chose, mais j'ai passé ça. En contour des yeux, vu que je n'ai rien chez Clarence, à part l'autre, j'utilise le soir la Caudalie, parce que c'est plus épais, c'est une crème, donc je ne veux pas utiliser le sérum avec. J'espère que je suis claire. Donc, c'est celle-ci que j'adore. J'adore. Et si j'avais su, j'aurais attendu. Parce que du coup, ça aurait pu aller avec ma routine Caudalie. Mais bon, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. J'ai autre chose qui peut faire l'affaire. Et Caudalie, j'adore. J'adore. Ensuite, en sérum pour le soir, j'utilise l'huile orchidée bleue que je trouve qui sent la lavande. Moi, personnellement, je trouve que ça sent la lavande. Voilà, en petit flacon comme ça. Mais c'est de l'huile et il faut que quelques gouttes. J'utilise le soir parce que la crème de nuit n'est pas assez riche pour moi. Donc, ça fait un bon complément. Et c'est la multi-active nuit, crème légère. Vous voyez, c'est parce que c'est légère. Vitalité jeunesse. Voilà. Donc, ça, c'est ma routine. Donc, c'est ces deux-là. Hein. Dès que ces deux-là sont terminés, je reviens vers vous. Et par contre, alors ça, comme je n'ai aucune équivalence dans toutes les marques, même si je n'ai pas terminé, ben je continuerai avec les autres routines. C'est un peu... ouais, je peux le faire. C'est le concentré décolleté et cou multi-intensif, anti-tache, anti-ride, embellit le grain de peau. Puisque j'ai souvent le cou très déshydraté. Pourtant, je me descends la crème, hein. Et les sérums dans le cou, mais j'ai souvent le cou très déshydraté, donc je vais voir si ça rétablit un peu la chose. On va voir. Parce que, ouais, je sais pas, c'est ce qui se marque le plus chez moi, ça. C'est bizarre. Enfin, voilà. Donc, si j'arrive en dessous des 10 minutes, alors là, c'est nickel. pour une vidéo qui n'était pas prévue. Bon, ça fait que 5 fois que je la refais, mais bon. Dites-moi si l'idée vous plaît, si l'idée que je revienne vers vous à la fin de la routine vous plaît. Et puis, dites-moi surtout, si l'idée vous plaît, si elle vous plaît pas, ça sert à rien, mais si l'idée vous plaît, pensez à me dire lequel des trois vous voulez que j'entame. Donc, je répète, Clarence, Kills, Clinique ou Caudalie. Voilà, puisque Clarence est là. Vous avez remarqué que c'est quasiment que d'essai, à part le Kills. Caudalie, Clinique,
Clarence, ouais, il n'y a que le Kills qui était. Voilà. Donc voilà, Kills, Caudalie ou Clinique. Dites-moi lequel des trois vous voulez que j'entame derrière. Comme ça, le temps que je fasse la vidéo, ben, j'aurais sans doute entamé déjà la routine. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Tu colores ma vie comme tu en as.